peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut te satisfaire, Dieu. Oh là 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 là. Non, 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 non. Ta 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 ta. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Walou. 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 C'est quoi, Walou? Ouais. You. Ah oui, sûrement là, ouais. Je sais ce que tu veux, mais c'est... Il y a autre chose à faire. Non. Oh. Ah, il y a pas. Il y a pas. Il y a pas. Oui, ça, c'est un super jeu. Si tu veux, j'y joue. Et oui, il y a Frère des Ours qui est au milieu. C'est quoi ça? Non. C'est pas Roi Lion. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog de Maman Laure. Donc bien évidemment Lily. Lily et Laure dort toujours. Moi je suis réveillé depuis 6h30 pour donner le biberon à Lily. Elle s'est réveillée à 6h pour prendre le biberon, ensuite elle s'est rendormie. Eden, lui, s'est réveillé il y a 20 minutes. Moi, en attendant, j'ai commencé à débarrasser, parce que hier, on avait bien sûr Élise et Gauthier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, c'est mercredi matin, il est 10h. Les petits garçons, enfin, mon homme et mon fils, sont partis à l'espace de jeu où on est allé mercredi dernier. Ils sont allés tous les deux, puisque moi, j'ai pas mal de boulot à faire, donc je peux pas trop sortir. Et puis comme ça, lui passe un moment père-fils et moi un moment avec ma fille. Et puis la prochaine fois, on fera l'inverse pour qu'on puisse chacun s'y profiter individuellement avec du temps avec chacun de nos enfants. Je trouve que c'est important. Je suis avec Lily Roche. Je lui ai remis de la crème sur les joues aujourd'hui. C'est pire. Elle a vraiment encore plus de boutons sur les joues. Enfin, on voit que c'est vraiment une réaction. Alors je me dis, ou c'est les dents, ou c'est une réaction à la carotte, puisque c'est le nouveau aliment qu'on a mis. Je vais voir. Je ne sais pas trop quoi en penser. Si c'est une réaction allergique ou si c'est une réaction due à l'inflammation dans sa bouche. C'est un petit peu tout arrive en même temps, du coup c'est un peu difficile à savoir d'où ça vient. Bon, ce qui est bien c'est qu'en caméra c'est pas flagrant, quoi que vous commencez... Vous voyez un petit peu les rougeurs, bah dites-vous que c'est des petits boutons qu'elle a sur ses joues, la pauvre. Là on voit un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Elle veut pas se laisser manger sa piquant? Tiens, mets la musique. Bon tout le monde, bon. Il fait beau, un peu frais, mais bon, je voulais sortir Eden, je la mets au parc. Et le problème, c'est que c'est tout trempé. Donc, je crois qu'on va, on va aller chez ma grand-mère qui habite à côté. Bon, on vient de se faire une petite session Titouni. Je sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne sur YouTube avec des comptines. Donc, j'ai choisi une playlist avec des gestes. Pour simplement faire des comptines à Lily Rose avec des gestes. Donc là, on a eu les crococo, les crocodiles et une poule sur un mur. Mais à chaque fois, ça dure plus de 5 minutes. Donc à force, j'enregistrais les gestes et je sais que petit à petit, je pourrais refaire ces playlists sans vraiment regarder trop l'écran pour voir simplement les gestes que je ne les connais pas. Et elle aime bien, je captive vachement son attention. Après avoir fait une petite session d'une demi-heure de ça, ça fait faire du sport au bras parce que du coup, les crococo, les crocodiles, c'est les bras qui se ferment comme une bouche de croco. Je vais passer à ce que je préfère. Le linge! Du coup, en gros, il faut que j'étende ma lessive qui est là, il faut que je vide l'étendage. J'ai dégoûté parce que j'avais en fait un. J'avais pas vu, j'ai un textile qui a dégorgé, alors pourtant il a été lavé plusieurs fois, donc je ne sais pas pourquoi. Attendez, hop, voilà. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a dégorgé comme ça plusieurs fois. Et du coup, j'ai le body de ma fille avec, vous savez, ça là, ces petits froufrous. Qui, comme vous pouvez voir, est gris et je crois que c'est irrécupérable, quoi. J'essaie de laver bien fort le blanc pour essayer de me récupérer ça, mais... C'est la première fois que ça m'arrive, je suis dégoûtée. J'ai jamais coloré de vêtements de ma vie. Fallait bien une première fois. Et Lily, je l'ai mis juste ici. Voilà, pour pas qu'elle soit dans le courant froid et que je puisse la voir facilement et qu'elle se sente pas toute seule, la demoiselle. Hein, ma mémère, on va faire ça vite parce qu'on est en train de faire rentrer le froid dans la maison. Donc voilà, session ménage action. Every minute, every day, I've been craving. I don't wanna get you out of my system. No, 'cause
Cause I like the way it feels when you touch me. You got me good. Nous on va pas tarder à y aller, hein. C'est bientôt l'heure de manger, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Et puis il y a une maman qui nous attend. Tu crois? Un petit peu, un petit peu. Un petit peu. Ouais. Mais vraiment un petit peu. Ça y est, les petits hommes sont rentrés. Dan passe à table parce que c'est déjà midi 20. Donc du coup, je vais préparer son assiette rapidement. Donc il manque le plat. Oui, mon cœur. Je t'ai dit qu'il arrivait. C'est toujours pas réussi à faire partir complètement sa tâche. C'est assez galère, mais bon. J'ai espoir d'y arriver. Hein. Ça va bien finir par partir cette peinture. Donc en entrée, je lui ai mis tomates et cornichons. Et Dan adore quand il y a mon verre. Ton verre d'ailleurs. Voilà, avec donc sa petite fourchette, et je suis en train de préparer le plat. Donc le plat, on n'en mange pas très souvent, c'est de l'ébli. En fait, Eden et moi, on adore ça, mais Anthony n'aime pas du tout. Donc bon, comme Anthony m'a dit qu'il n'avait pas faim ce midi, du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de faire l'ébli. Un sachet, ça fait pour deux. Et puis voilà, ça fait un petit peu des féculents. J'en fais pas si souvent que ça, tout ce qui est pâtes, ébli, tout ça. Donc du coup, j'essaie d'y penser un peu plus souvent. Je suis plus à fond légumes, variés viande, poisson. Et j'oublie un peu les féculents, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Donc du coup, j'essaie un petit peu d'y penser plus souvent. Oui, j'ai les cheveux, c'est back dead. Hello tout le monde, on se retrouve. Je suis de sortie avec Lily Roche. J'espère que je parle assez fort pour que vous m'entendiez. La puce est juste là. J'ai pris la petite caméra pour sortir, c'est quand même ce qui est beaucoup plus pratique. Sinon, vous avez dû remarquer, j'ai vu que certains l'avaient marqué dans les commentaires, qu'effectivement, à la maison, j'essaie de filmer avec le Canon. Donc, pour le moment, je suis pas encore en train de le maîtriser complètement. Mais je trouve que ça fait une vraiment meilleure qualité d'image. C'est juste que c'est hyper lourd. Donc, pour le moment, je me sens pas encore assez à l'aise pour sortir avec en extérieur. Puis, pour les petits trajets, c'est quand même plus facile à mettre dans le sac cette petite caméra. J'ai trouvé la tenue de baptême de Lily Rose. Donc, je l'ai pris chez Tati. Parce que là-bas, ils ont pas mal de petites tenues. Je lui ai pris un petit accessoire pour les cheveux, donc j'espère qu'elle sera, voilà, toute belle. Là on va chez Kiabi parce que en 9 mois elle a pas grand chose, et c'est la taille qu'elle porte maintenant depuis quelques temps. Et pour vous dire, suivant les 9 mois, il y en a, c'est trop petit. Voilà, ma fille a dû me faire une belle poussée de croissance, et il faut que je me trouve moi ma tenue. Anto m'a dit que c'était bon, et Dan à Tati, c'est bof ce qu'il y avait, franchement. Encore pour une petite robe de princesse, je trouve que ça va, autant pour les petits mecs je trouvais ça pas top. Donc je verrai si au pire je trouve mieux à Kiabi. Voilà, pour la tenue du baptême, j'aimerais qu'il soit un petit peu assorti, que ça fasse juste trop mignon, quoi. Voilà, et la mémère est calme. Ça va, ça va. Dans ta pas l'œil. Donc c'est les Holiday... Comment s'appelle ça? Le jour avec les prix, on baisse les Original Day. Donc du coup, on a pris quelques petits articles. Il y en a un pour Eden, il y en a pour elle. Elle est bien calme. La jeune demoiselle. Il y a plein, la collection là-bas pour filles, juste trop canon. J'ai trouvé quelques articles pour Lily. Et pour petit mec aussi, il y a plein de jolis articles. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas venu pour Deden. Deden, il a encore de la réserve. Un ma puce. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Là. C'est trop mignon. Je suis fan de cette blouse. Par contre, celle-là, elle n'était pas en mode holidays. Elle était en mode normal. Hein. Celle-là, je crois que c'est pareil. Si celle-là, elle est à 30%. Je suis rentrée, regardez ce que j'ai retrouvé. Mon chouchou, qui est juste là. Eden, il est en train de jouer dans le jardin. C'est agréable, il fait encore bon, donc je l'y aller. Je voulais pas le dire. Tu sais, hier qu'on a fait un tiramisu et il en restait. Et du coup, Anthony m'a dit, tu finis ce qui reste. Hein. Je me suis pas laissée... Enfin voilà quoi, je me suis pas laissée aller, je me suis fait plaisir. Bon, je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris à tape à l'œil. J'essaie de vous caler quelque part avec la petite caméra. Yes, it's good. Alors... J'ai pris un truc pour Eden, je vais vous montrer. C'est un pantalon comme ça, là, c'est un peu sport, bien élastique. Je me dis ça, c'est juste parfait pour baisser, remonter pour les toilettes. Et il est assez épais. C'était, je vous disais, les jours l'Original Day, donc les jours où c'est un peu moins cher. Donc il était à moins 30%. Et de base, il était à 18€. Donc ça valait quand même le coup parce que les pantalons, je trouve, chez Papalais, c'est quand même cher. Mais j'aime beaucoup la qualité, par contre la rien. Ensuite j'ai pris que pour Lily Rose. J'ai pris 3 blouses. Finalement je n'ai pris que les blouses, j'ai reposé le short. J'ai pris celle-ci, blanche. Donc moi je suis blouse. J'aime pas trop, enfin je mets des t-shirts à Lily Rose, mais j'en suis pas fan. Franchement je préfère la mettre qu'en blouse. Donc là j'en ai trouvé 3.
4 blouses, donc déjà j'ai de quoi un petit peu tourner. Je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de 50 000. Hein. Une blouse, elle peut la porter 2 jours de suite. Ça fait 6 jours, donc voilà. Donc celle-ci avec les jolis petits motifs colorés blanches, elle était à moins 30% de base à 17 euros. C'est ça pour toi, mon cœur, regarde. C'est ce pantalon. Il te plaît? Tiens, c'est à toi. Il faut savoir lui donner ses affaires. Ensuite, mon gros coup de cœur, celle que je trouve la plus belle, elle, par contre, elle n'avait aucune remise, c'est celle-ci. Fleurie et bleue, j'en suis complètement fan. Elle est juste super belle. Trop mignonne. Voilà, j'ai tout pris en taille 9 mois pour ceux qui ont demandé pour les roses. Parce que je les trouve déjà un petit peu grandes en 9 mois, donc je me dis qu'elle va pouvoir les porter un petit moment. Celle-ci blanche avec des petites étoiles dorées. Celle-ci est beaucoup plus évasée que les autres, je trouve. Un peu plus court peut-être au niveau de la longueur. Pareil, à 9 mois, celle-ci n'était pas de remise, mais elle était à 9,99€. Donc franchement, ils en auraient fait 10 de différents coloris. J'aurais limite pris 10. Et en dernier, de la même collection, mais celle-ci avec une remise de moins 30%. Allez savoir, peut-être que celui-là avait moins de succès. Toujours le même motif, hein, mais un coloris gris. Je ne sais pas si vous voyez gris sur ce bleu. Voilà, toujours en 9 mois. Et donc, il était de base à 10€ et moins 30%. Donc, je ne l'ai vraiment pas payé cher du tout, celui-là. Voilà, donc ça fait 4 petites blouses pour ma petite princesse. Et le pantalon que je vous ai montré pour Eden. Et là-bas, il y a la petite tenue de baptême. J'ai trouvé une chemise blanche chez Kiabi pour Eden. Pour être assortie, le seul indice que je vous donne, c'est qu'elle sera en total blanc. Parce que pour moi, le baptême, eh ben, c'est blanc. Ça y est, la journée se termine. C'est 19h30, Eden est au lit et il ne sort pas de sa chambre. Donc je pense que c'est vraiment la bonne option de le coucher aussi tôt. Ça me fait quand même bizarre de coucher à ce point tôt. Anthony me dit non, mais le pauvre et tout. Mais si, 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 il est fatigué. Moi, je vais en profiter du coup que ce soit Ken. Là, c'est Anthony qui s'occupe du biberon du soir de Lily Rose pour aller prendre un bain. Oui, oui, vous savez, quand il commence à faire froid, les bains. Par contre, vous devez voir, là, je suis rouge. Lily, elle m'a chopé tout à l'heure. La peau de la joue, elle me lâchait plus, ça m'a fait trop mal. Ah, si, si, je suis bien rouge quand même. Elle m'a pas loupé, la mère. Et lire mon petit livre. Donc, bon, je vais vous laisser là. Je vous dis. À demain. Bonne nuit. Mouah.